Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous avais dit la semaine précédente, ceux qui peuvent avoir un petit ballon, vous le faites avec le ballon. Après c'est pas grave, on peut tout faire comme d'habitude, hein, sans ballon, d'accord? Donc normalement, on doit se voir la semaine prochaine, si tout va bien, donc j'ai hâte. Sachez que là je l'ai tourné un petit peu avant, donc normalement, au jour d'aujourd'hui, j'ai très hâte de vous retrouver normalement la semaine prochaine. Donc si c'est pas le cas, forcément je ferai un petit peu plus la tête, mais là je suis très heureuse. Normalement c'est un des derniers cours qu'on se verra ensemble en vidéo, normalement. Donc on a les pieds joints, les genoux serrés et on a le fameux ballon. Si vous n'avez pas le ballon, vous vous servez de vos mains, c'est pas grave, d'accord? Donc on va commencer avec une demi-pointe à droite et en même temps le ballon qui vient se mettre devant. Donc on va simplement plier les coudes et redescendre avec la demi-pointe. Pliez les coudes et redescend. Encore, ce qui donne. Donc là, je vais faire une pression en même temps sur mon ballon. D'accord? Encore. Je presse le ballon et je reviens. Je presse, je commence à stimuler justement les pecs et je redescends. Je presse le ballon et je redescends. Et je redescends. Et je redescends. Encore. Encore. Grandis-toi, toujours pareil tes aimants. Presse bien. Détoxine. Encore. Hop, on presse et on ramène. On presse et on ramène. On presse et on ramène. Dernière fois, droite et gauche, on presse. Encore. Et on presse. On va monter sur les demi-pointes et on va essayer de trouver l'équilibre et de mettre des petites pressions. Donc on monte sur demi-pointe et on va rester. Juste les bras. 3, 4, encore. 5, 6, 7, on joint bien les talons, encore, 2, 3, 4, serre, on serre les fessiers, 7, 8, 2, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus que 8, 7, super, 6, c'est ça, 5, on le ventre, 4, 3, 2, 1, et on redescend. Maintenant, on va chercher à aller en l'air, donc on ne cambre pas, on va simplement monter les bras et redescendre, d'accord? On monte les bras. Et on redescend. Travaille le dos, descendez les épaules. On monte sans amener le buste en arrière. Encore. On fait une petite pression. Hop. Et on descend. Encore. On monte. Et on descend. On monte. Et on descend. On monte. On étire la colonne. On serre les fessiers. Encore. On monte. Et on descend. On monte. Continuez. Je vais vous montrer la suite. On monte. Et on descend. Et on va rester. On va fléchir les coudes. On va travailler les triceps. Et on va revenir. On descend et on revient. Donc on souffle, on inspire. D'accord? Les coudes, donc continuez. Il faut vraiment que les coudes ne s'écartent pas. Mes coudes sont vraiment, hop, vers l'arrière. Encore. Les pieds sont joints. Encore. Hop, voilà. Hop, on a tendance à quand le fait que les coudes s'écartent. Encore. Allez, comme si on voulait jeter. Hop. Et on a tendance à baisser un peu la nuque comme ça. En haut, en haut, allez, en haut. Et on resserre son ballon, ça va chauffer dans vos épaules en même temps et dans le triceps, encore. Allez, encore. La semaine dernière, c'était tout au sol. Et là, on va travailler vraiment le haut du corps en même temps. Hop, les muscles profonds et aussi les jambes debout avec le ballon. Et la taille, encore. En haut et on descend, en haut. Trois petits, 1, 2, 3 et on jette. On resserre les coudes, 2, 3 et on jette. Encore. 1, 2, 3 et on jette. 1, 2, 3 et on ramène. 1, 2, 3 et on ramène. 1, 2, 3, on ramène, on redescend. On enroule les épaules, ça doit chauffer un peu dans les hauts du dos. Maintenant, tout simplement, on met le ballon et on va mettre une pression donc pour solliciter l'intérieur du bras. Donc là, franchement, ça, on sent sans trop sentir, il faut bien descendre l'épaule et on écrase. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4. Donc continuez pendant ce temps-là, donc il reste de 8 encore. Si vous n'avez pas les ballons, hein, vous pouvez faire ce genre de mouvement avec les triceps. Bon là, après vous faites des petits mouvements comme ça hein, à la place. D'accord? On peut tout faire sans le ballon. Tout ce qu'on fait, vous faites pareil. Hein, ce qu'on a fait au début, vous pressez les deux mains l'une contre l'autre. Les triceps, vous faites celui-là. Et celui-là, vous montez comme ça, les bras. D'accord? Encore. Puis que 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2. Et là, on va comme si on voulait écraser avec la paume de main. Et sentez si vous touchez là, à l'intérieur. Est-ce que c'est dur là? Là, est-ce que ça, là c'est dur ou c'est mou? Alors, c'est flasque, hein, si vous n'avez rien fait pendant je ne sais pas combien de temps, c'est flasque. Sinon, c'est que c'est dur. Encore, je contracte ma sangle abdominale super gainée. Voilà, je me grandis et je contracte, je contracte, je contracte. Ça va trembler à l'intérieur. Encore, voilà. Donc, je ne suis pas comme ça. J'ai le coude tourné un peu vers l'extérieur et je contracte bien. L'épaule en ouverture, toujours l'ouverture et je contracte. Et je relâche, tout simple. Et je repars, donc, descendez bien l'épaule et gauche. 2, 3, j'écrase. 4, je sollicite. 5, 6, 7, 8, 3, 8. 1, mes aimants. 3, 4, mes chevilles, mes genoux, mes adducteurs. 7, 8, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. Hop, descend bien les épaules. 7, continue. Je vais allumer la lumière parce que là, il pleut du coup. Pas terrible. Hop là. Encore. Hop, hop. 3, 4, 5, 6, 7. Et je reste, je contracte. Donc le coude un peu fléchi, le coude tourné. Et je grandis, je serre, je serre, je serre là. Hop, je me grandis. Encore, je serre la sangle abdominale. Je respire, je reste, je reste, je reste, je reste. Encore, 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 encore. Resserre bien la sangle en même temps. Respire bien. Allez, contracte, contracte, contracte. Ça chauffe légèrement. Et je relâche. Je garde le ballon dans la main et je vais faire des dégagés sur le côté. D'accord? Donc, je vais simplement coller mes aimants, un petit dégagé et mon bras va monter. D'accord? Avec le ballon. Donc, c'est pas de ballon, ça ne change rien. Et là, l'autre main va se mettre sur l'attaque. Et là, ça va simplement, je dégage en montant et je redescends. Je dégage, donc opposé. Tac, là on va solliciter culotte de cheval en même temps. Donc montez pas le bras là-haut, il s'arrête au niveau de l'épaule et je redescends. Et la jambe monte, tac, je serre bien. Donc essayez de ne pas pencher comme ça le buste. Je reste et je descends, je reste et je descends. Encore, hop, allez, encore. 3, 8, 2, 3, monte bien. 4, on travaille sur la jambe d'appui, 5, encore. 6, pointez les orteils, 7. 8, encore 2, 8, et 1, doucement, 2, amorti, 3, et 4, l'épaule toujours 5 sollicitée, 6, 7, plus que 8, 7, 6, encore, 5, 4, si ça ne va pas l'équilibre, prends une chaise, 2, 1, donc je reste là, et je monte et je fais des petits, tout petit bras et jambes, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, le biais tourné, voilà, 5, 6, 7, 2, 8 encore, le bras aussi, 5, 6, 7, 8, plus que 8, 7, 6, bras et jambes, 5, moins de monde, 4, 3, 2, 1, et je relâche l'épaule et le bras, je change, je me grandis à nouveau, je dégage sur le côté, et je monte, donc je monte les deux, d'accord, la main, et on est parti, allez, encore, encore, 4, et 5, et 6, bien en dedans, point les orteils, 7, on draine, hein. 8 après les fêtes, on a besoin de drainer, 1, encore, 2, 3, 4, solide sur la jambe, 5, grandissez-vous, 6, 7, reviens à chaque fois, 2, 8 encore, l'épaule basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je reste, je me grandis, hein, je fais petit mouvement des deux côtés et on y va. 3, 4 et 5, 6, 7, 8, premier, 2, 3, on monte, hein, 4, 5, 6, 7, deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, troisième, le dernier, quatrième, 5, 4, 5, 6, 7, 8, tu relâches. Hein, on sent un peu les épaules, on sent un petit peu les jambes légèrement. Donc on est là, on va chercher les pieds, ok, collés. On avait commencé tout à l'heure avec ce mouvement-là. Maintenant on va tendre et plier, en même temps on va plier dans les jambes. Donc on plie dans les jambes, et là on contracte, hein, et on tend les bras. D'accord? Quand je tends les bras, je contracte mes adducteurs. Quand je plie les bras, je contracte les pecs. D'accord? Donc, quand je plie les bras, je contracte les pecs. Quand je tends les bras, je contracte les adducteurs. Donc,
Donc la pression du ballon est là. Et là, je serre le ballon quand même et je serre mes adducteurs. Encore. Et on n'amène pas le buste devant. Encore. Donc sinon, tu amènes. Donc continuez, continuez. Ceux qui n'ont pas de ballon, c'est contracte et devant. Contracte et devant. Contracte, d'accord. Tout se fait, vous inquiétez pas, sans ballon. Après, c'est vrai que maintenant, si vous l'avez acheté, ça servira aussi dans les cours. Hein. Encore. Hop. Plié, étendu. Plié, étendu. Plié, étendu. Plié. Hop, j'espère vraiment qu'on va se retrouver. Et comme si normalement, vous avez pratiqué le pilates, les abdos, fesses et le yoga, vous allez être en pleine forme pour cette année 2021. Encore. Contracte les adducteurs quand tu reviens. Serre les fessiers. Travaille les épaules. Encore. Tac. Plié, tendu. Plié, on travaille et les jambes et le haut. Donc, continuez. Et là, il faut vraiment rapprocher les omoplates. D'accord? Hop. Hop. Encore. Les derniers. 8. Allez. 7. Et contracte les adducteurs. 6. 5. 4. 3. 2. Je vais mettre juste les coudes pour finir, d'accord? Donc hop, je vais vous montrer après sans. Tac, on le serre. Et là, pareil, petite pression hein, dans les coudes et petite pression dans les jambes, petit rebond. Comme si je voulais écraser mon ballon. 6, 7, 8 encore. 2, 3, 4, 5, j'écrase. Les pecs, c'est les pecs là. Et les jambes, petit rebond, je ne remonte pas, je suis en bas. 7, 8 et j'écrase, je veux avoir le ballon qui se resserre. Continue, continue chez toi. Si tu peux pas, reste sur un mouvement comme ça où tu prends un coussin en oreiller et tu essayes de le serrer comme ceci. Allez, bon, je sais que vous avez fait 4 fois 8, mais c'est 2 fois 4 fois 8. Donc vous continuez, petit. Et le soleil revient. 6, 7, 8 encore. 2, 3, 4. Allez, on serre. 6, c'est pas les mains. Les mains ne bougent pas, c'est les coudes. Il reste 2, 8. Descends les épaules. 7, plus que 8, petit rebond dans les jambes. 5, 6, 7, 8. Waouh! Ah, ça chauffe quand même, on dirait pas comme ça, mais ça chauffe. Donc de là, on revient parallèle. On écarte un petit peu. Et à nouveau parallèle. Donc là, les pieds sont parallèles. D'accord? Donc on est quand même beaucoup plus large que le bassin. Et on va travailler un petit peu sur la taille, tout simplement. On va chercher avec le ballon et on revient. Voilà. 3. Encore, donc je suis parallèle, 4 pour l'instant, 5, allez, 6, 7, maintenant je vais faire la même chose, mais je vais pousser sur le côté, 1, 2, je vais pousser le mur, 3, 4, vive la Bretagne, il y a 5 minutes il faisait nuit, il pleuvait, et là c'est grand soleil, c'est bleu, 7, et je repars vers le sol, et 1, et 2, encore, et 3, je descends, et 4, allez, rends le ventre, 5, 6, pareil, évidemment, sans ballon, 7, 8, je pousse, 1, et 2, et 3, et 4, serre les fessiers, 5, et 6, 7, encore à nouveau, hop, en bas, et 1, plutôt agréable, mais reviens bien, 3, à chaque fois reviens, 4, 5, 6, 7, pousse bien, va chercher, et 2, allez, 3, celui-là est super efficace pour la taille, 4, 5, 6, 7, plus que le dernier 8, 1 et 2, reviens chaque fois, 3, allez, 4, 5, serre bien, c'est ce côté qui travaille, 6 là, ça, là c'est là, et là c'est là, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8, de là je reste, j'ouvre mon pied droit, j'ouvre mon pied gauche un petit peu, d'accord, je monte mon bras, hop, donc si vous faites l'inverse, vous, c'est votre bras droit que vous montez. Ok, et là, je fais petit. 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, encore, 3, 8, 1, 2, on ouvre le dos, 3, là, ça tire, 4, 5, 6, 7, on serre les fessiers, les adducteurs, comme si on avait un autre ballon là. Il reste 2, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, il reste 8, et 7, et 6, et 5, et 4, 3, 2, et là je vais prendre mon ballon, d'accord, plier, ok,
Donc là, le piège, c'est de faire ça. Ça tire dans les épaules, c'est dur, c'est difficile. Le buste est face. Étendre. Plier et allonger. Plier. Là, en fait, j'imagine que ça ne doit pas être très, très joli chez vous. Hop, ça doit faire des trucs tout bizarres. Ça demande un effort. Le ballon au milieu de la tête et j'allonge. Je plie et je tends. On l'a déjà fait en cours, pas cette année, mais l'année dernière. J'ouvre les coudes et j'allonge. J'ouvre les coudes et j'allonge. Encore. Ouais, ça chauffe. Encore. Allez, hop. Je reste, je descends, je reste, je serre. Je reviens et je relâche. Je reviens avec mes pieds parallèles, juste un petit peu. Et je repars 4 fois 8 de chaque. 4 là, 4 là, 4 là, 4 là, 4 là. Allez, 1 et 2 et 3. Encore. 4, 5, 6, 7, serre bien, 8, et 1, et 2, allez pousse, 3, 4, enlève le ventre, 5, 6, 7, 8, descend, et 1, et 2, ouvre le dos, 3, 4, encore, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, encore, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8 encore, et 1, et 2, et 3, et 4, c'est ça, 5, et remonte à chaque fois, 6, remonte, 7, c'est ça qui travaille, 8, pouce, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, là tu peux relâcher, 7, dernier, en bas, 3, allez, 4, et 5, ouvre le dos, 6, 7, 8, serre bien les fessiers, 1, va chercher, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De là, tu vas amener ton pied droit, amener ton pied gauche en ouverture. Ton ballon, hop, tu montes et tu fais des petits 1, 2, sans bouger les jambes. 3, 4, et tu essaies d'ouvrir l'épaule. Le piège dans celui-là, c'est de fermer comme ça. 7, 8, d'ouvrir. 1, et on va chercher 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8, ça chauffe même dans le dos partout. 3, 4, 5, c'est là la hauteur de l'épaule. 7, elle ne bouge pas, 8, il reste 8. 8, ouf, 7, c'est celui-là. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je plie mes genoux sur les côtés, je plie mes bras. Le ballon au niveau de la tête et j'allonge. Plié, tendu. Pareil, je ne ferme pas le coude. Continuez donc, on allonge. Ceux qui n'ont pas de ballon, on fait simplement le mouvement de bras, d'accord? Encore, plier et allonge, plier et allonge. N'oublie pas, ouvre les coudes, allonge. C'est lent, souffle, plier, tendu, plier, tendu. Allez, encore, hop, il reste deux, le dernier, et je reste, joue, je reste. Allez, on respire, on serre les adducteurs, encore, là, on serre. C'est blindé là. Respire et on revient. Et on relâche, on souffle, on relâche dans les épaules. Eh, ça chauffe, hein. Je vais même aérer un peu. Ça chauffe. Allez, ici, économie d'énergie. Il y a de la lumière, il y a du chauffage. Ok, on prend le ballon, on va le mettre au niveau des cuisses. D'accord? Au-dessus des genoux. Donc pied, pour l'instant. Et là, simplement, je vais me mettre de profil ou un peu en diagonale. Et on va descendre en squat, c'est-à-dire fessier vers l'arrière. Et on revient le dos et on resserre. Fessier vers l'arrière. Je vais m'asseoir et je reviens. Fessier vers l'arrière. Donc, à chaque fois, je vais mettre une petite pression sur le ballon et je ramène. Fessier vers l'arrière. Je rappelle que là, ce n'est pas un travail du dos. C'est un travail. Je vais m'asseoir sur ma chaise. Tac. Je vais m'asseoir. Voilà. Je descends et je resserre les fessiers. Je descends et je ramène. En bas, je pousse sur les talons. En bas et je reviens. En bas, donc si tu n'as pas le ballon, continue. Bah, tu es largeur et tu ramènes. Ou tu peux mettre un petit coussin. Hein? Donc, vraiment, j'ai fait des exercices que vous pouvez faire sans ballon. En bas et reviens. En bas et ramène. En bas et ramène. En bas et ramène. Trois petits. 1, 2, 3 et reviens. Sauf que quand, continue, 2, 3 et reviens. Maintenant, tu vas penser après à serrer le ballon un petit peu. D'accord? Légèrement. 1, 2, 3 et reviens. Et 1, 2,
3 et reviens. 1, 2, 3 et reviens. Pousse les fessiers. 2, 3, reviens. Reste. Donc tu descends, tu descends. Tu restes tranquillement et là, fessez les jambes. 2, 3, 4, 5. Donc les dos, le lombaire va travailler, mais c'est les adducteurs. Tac, 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 tac. Tu sens tes cuisses et tes adducteurs. 2, 3. Donc si je suis là, je ne sens pas. Là, je ne sens pas. Je suis en bas. 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3. Allez, 5. Remonte pas. Allez, chaise. Hein. La chaise, elle n'est pas là. 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu descends, évidemment, toujours. Tu descends, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et tu remontes, tu enlèves ton ballon. Tu relâches un petit peu au niveau des cuisses. La même chose, sauf que tu enlèves ton ballon et tu vas travailler ton dos. Donc, je vais continuer à mettre un peu de profil. On est là, avec le ballon ou sans le ballon. Et on va descendre en squat quand même, mais avec les bras qui vont monter. Ça va demander un petit effort. Donc là, les pieds, petite largeur du bassin. Si ça ne va pas, si vos genoux portent en dedans, vous serrez vos pieds. OK ? Les pieds, petite largeur du bassin. Donc, je vais m'asseoir et les bras montent. Et je reviens. Je vais m'asseoir et les bras montent. Et je reviens. D'accord ? C'est pas le dos. Ça part dans un squat, mais c'est les bras qui montent. C'est pas le dos qui descend. C'est un autre exercice. Je vois d'ici, j'imagine, que les genoux partent en dedans. C'est pour ça que je vous ai dit de faire attention à vos genoux. N'est-ce pas ? Faites attention à vos genoux. Hop ! Je me remets un peu de face. Je ne veux pas voir ça. Encore. Donc, ça demande un effort. Parce que comme on amène les bras, on va tendance à amener les genoux en dedans. C'est vraiment, hop, pensez à écarter vos genoux plutôt. Descends. Et reviens serre les fessiers. Et descends. Et resserre les fessiers. Et descends. Resserre les fessiers. Descends. Resserre les fessiers. Descends. Alors, le ballon, il faut quand même le monter. Continue. Descends. Resserre les fessiers. Il faut quand même monter votre ballon. OK. Je vais rester. Et là, je vais travailler mes bras. Hop, hop, hop. 2, 3, 4. Allez, 5, 6, 7, 8. Je suis sur ma chaise, j'imagine. Et c'est mes bras. 6, 7, 8, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descends. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Reste. Et remonte. Relâche. Bien. J'espère que ça va toujours. Relâche. Donc, on travaille vraiment toutes les parties du corps. On revient à ce qu'on appelle dans la première position, les talons collés. Les bras, à nouveau, comme un cercle. D'accord ? Donc, sinon, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et là, on va aller travailler la taille. D'accord ? Donc, on inspire. Donc, serrez bien les aimants, serrez les fessiers pour que ça fonctionne. Le piège, sinon, c'est d'aller bouger comme ça. Donc, vraiment, serrez tout. Descendez vos épaules et on part. Donc, le ballon doit arriver au niveau du sternum. Donc, j'ai pas une grande... Si je fais ça, ça n'a pas pareil. Hein. J'ai pas une grande amplitude. Le regard va en diagonale. Serre tes aimants. Grandis-toi. Là, ça ne bouge pas. C'est vraiment le haut qui claque, qui tourne. Tac, qui tourne. Les épaules sont basses. Je mets quand même une pression sur le ballon. Tac, ça tourne. Hop, ça tourne. Hop, encore. Hop. Souffle. Détoxine, je pense. Hein. Souffle. Si tu as besoin de boire de l'eau, tu fais une petite pause. C'est vrai qu'en cours, on boit quand même. Mais là, j'arrête pas de parler. Donc forcément, c'est pareil. Hein, si vous fufiotez à chaque fois, faites une pause, buvez de l'eau. OK, les épaules basses. Je vais rester 3 et je vais revenir. Et je reviens. Et je reviens. 1, je bloque. 2, 3 et je reviens. 1, 2, 3, encore. 1, c'est vraiment, on va chercher dans les muscles profonds. Encore. 1, 2, 3. Je ne bouge pas, je ne fais pas ça. Hein? J'imagine certaines qui vont faire ça là pour aller plus loin. Non, non. Encore. Encore. 1, 2, 3. Resserre bien les talons. 1, 2, 3. Je vais rester plus. 1, 2, 3. Petit. 4. Allez. 5, 6 et ça tourne. 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, bien 7. Plus que 8, tombe pas bassin. 8, 7, serre
revient. On sent hein, que ça chauffe. Donc on doit avoir mal jusque derrière, c'est normal ça. Hein, la taille elle est insérée jusque derrière, ça c'est normal. On descend les épaules et on y va. Petit. 3, des petits ressorts. 4, 5, serre les fessiers. 6, et là, 7, boum, boum. 8, et serre le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deuxième 8. 1, 2, 3, 4, serre tes talons, serre tes aimants. Encore, allez, plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche, respire. On part maintenant un petit peu dans les jambes à nouveau et la taille, dans des fentes, d'accord? Donc, on monte le ballon, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Allez, on monte le ballon en retiré, ok? On va déjà commencer par ça, on descend pour chauffer. Montez, presse le ballon, toujours la même jambe et descend. Allez, inspire. Presse ton ballon. Donc, regardez mes coudes. Pensez aux détails. Je ne suis pas là, ça ne fonctionne pas. Toujours, je cherche à travailler toujours ce haut-là. Hop, pour avoir vraiment un joli buste, vraiment une belle ouverture, là. Comme les danseuses classiques, un beau port, on appelle ça un beau port de tête avec un bon port de cou. Encore, hop. On descend, voilà, et on relâche. On descend, on pointe bien les orteils. On contracte, on relâche, on contracte. Maintenant, je suis là. Je vais simplement tendre mes bras. Donc, ma jambe est derrière, d'accord? Je vais plier. Et là, je vais simplement tendre mes bras devant. Plier. Plier. Tendu. Plier. Tendu. Contracte. Toujours le même mouvement. Contracte. Ça existe aussi de, comme ça en l'air, mais c'est vrai que ça tire pas mal sur les épaules. Donc, je sais que dans mes cours, j'ai beaucoup de gens qui ont des problèmes d'épaule. Donc, on va plutôt travailler là. Hop. Hein, n'est-ce pas Sylvie? Encore, on contracte et on tend. On contracte et on tend. Et donc continuez, on est bien sur la demi-pointe derrière, d'accord? On est bien sur la demi-pointe et on tend. On travaille les jambes en même temps. Même si j'ai des réflexions qui me disent, il n'y a pas de ski, je sais bien. Peut-être qu'il y en aura en février, donc on prépare. Encore, allez, plié et tendu. Plié, celle qui m'envoie encore des messages et tout, merci, hein, parce que vraiment, je me donne du mal. Marine aussi, parce que c'est elle qui prend chaque fois que je vous explique pour aller envoyer les vidéos. Donc, quand on sait qu'on est vu, ça nous fait toujours plaisir. Même si ce n'est pas des gens qui sont dans mes cours, c'est au contraire, même si c'est des gens qui sont autre part, ça fait plaisir. Donc, on est là, on plie. Je suis sur ma demi-pointe et je vais travailler ma taille. Pareil, ce n'est pas mes bras. C'est... Donc, je presse, continuez. Hop. Donc, je suis là. Les coudes, d'accord? Encore. Pas de ballon, les deux mains l'une contre l'autre. Oui, je sais, ça fait déjà 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais rester tout petit pressé et tout petit dans les jambes. 5, 6, 7, 8. C'est une reprise après les fêtes, hein, donc on y va, il y en a moins que d'habitude. 4, 5, 6, 7. 7, je reste, je stabilise. Ça chauffe, ça chauffe. Allez, essaye de tourner. On tourne, on tourne, on rentre tout. Et on revient tranquillement, on relâche. On repart dans le retiré, à gauche. D'accord? Donc, on monte. Et on descend. Et on descend. 3, encore. Allez. On presse et on descend. On presse, on descend. Encore. Allez, encore 8. On presse. Et on descend. Les coudes, tout de suite, pensez à vos coudes. Allez. Souvent, on a l'impression de faire comme moi je fais. Et puis, on ne se rend pas compte, on ne fait pas vraiment le mouvement. Donc, je me grandis mes aimants. Normalement, ça doit être encore plus lent que ça. Allez, je rajoute 4. 4, applique-toi. Retire, grandis-toi, descends. 2, retire. Voilà, mieux. Hop. De là, je monte mes bras. Donc, j'arrive avec ma jambe derrière, d'accord? Trouvez la ligne. Et de là, simplement, je vais plier, contracter, étendre. Allez. Encore. Plier, étendu. Plier, étendu. En bas. En bas. Super. Contracte et allonge. Descends. Allez, travail des deux. Jambes et haut du corps. Hop. Hop. Plier, étendu. Et même quand je tends, je presse mon ballon. Plier, étendu. Toujours pareil, j'amène pas le buste. Allez, c'est les derniers. 4, oups là. 3, 2, 1. Je reste, je stabilise. Je descends mes épaules et je mets cette pression.
3, 4, 5, 6. Allez, on presse. 7, le genou ne bouge pas. 8, il reste 8. 8, 7, 6, 5. Encore. 4, 3, 2, petit. Presse dans les jambes, petit rebond dans les bras. 7, il ne reste que 8. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens et je relâche. On finit juste par un petit étirement. Donc, les pieds parallèles, largeur du bassin, d'accord? Ne faites pas ça. Si c'est difficile, collez vos pieds. Et si vous n'avez pas de ballon, vous serrez vos mains. On inspire, on va pousser. Et là, je mets de profil. Dos rond. Allez, le dos rond, 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 rond. On reste. On inspire. Encore une fois, on descend les épaules et dos rond. On reste, on reste, on reste. Et on revient. Tranquillement, on met son pied croisé. On change. Et on va amener le ballon. On étire la taille qu'on a travaillée. On ouvre. Et on change. Hop. On met le pied. Tac. Et on pousse le bassin. On ouvre la cage thoracique. Allez, on reste, on reste, on reste, on reste. On remonte tranquillement. On enroule les épaules. Allez. Deux. Encore. Trois. Quatre. Bien. On enroule la tête sans aller derrière. Hop. Hop, là c'est un tout petit étirement hein, parce qu'on a travaillé un peu tout, mais en douceur. Voilà, on revient, on ferme les yeux. On va mettre son ballon sur son ventre, on met les mains sur son ventre et on va respirer simplement en gonflant le ventre. Donc le ballon, hop, va se gonfler. Et on expire. On inspire, on descend les épaules. Et on expire, on relâche le visage. Et on ouvre tranquillement les yeux. Donc j'espère que ça a été, que vous avez passé un bon moment. Et puis normalement, on se retrouve très rapidement, hein, normalement d'ici peu. Donc j'ai hâte de vous revoir. Allez, à plus !